Pop Art pour toujours, c'est le cri lancé par la Fondation Louis Vuitton qui nous propose une exposition résolument pop déployée sur 4 étages. Ici, nous découvrons ou redécouvrons l'un des fondateurs du mouvement, Tom Wesselmann, présenté pour l'occasion dans une scénographie XXL. Ici, les toiles en 3D sortent littéralement du cadre, déclinant les produits du quotidien en autant de colosses monumentaux, métamorphosant les peintures en véritables sculptures. Ambiance ultra-vitaminée donc pour cette folle plongée dans l'indémodable pop art, entre icônes désacralisées et créations kitsch et sexy, le tout dialoguant imperturbablement avec les œuvres des héritiers pop. Vous aurez deviné sans trop de difficultés l'intervention de l'indétrônable Jeff Koons avec son flamboyant balloon dog doré ou ses ballons de basket plongés dans un aquarium étonnant. Des mannequins de Yayoi Kusama aux airs de Barbie grandeur nature jusqu'aux œuvres insolentes d'Ai Weiwei, en passant par une salle de bain de tissu argenté ou cette voiture écrasée de Sylvie Fleury, peut-être d'ailleurs par l'un de ces fruits géants, décidément rien ne va plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne.